parole@palais.com. Jeudi à nous samedi 12 novembre 2016, c'est émission pour là qui entre la caillou, moment vérité, l'actualité commentée autrement. Dans l'émission ça, nous présentons aux principales informations qui dominent l'actualité ce matin. Donc ou même qui chita la caillou, dans machine ou bien dans bureau, ou bien quel que soit côté qui branché 90.5 là dans moment ou bien sous ordinateur qui branché sur internet là pour capable boire piclet. Qui côté nié jodi a pour qui ça c'est la nié et puis qui ça ensemble qui ka fait pour essayer sortir dans situation difficile pays d'Haïti retrouver le jodi a nous content rejoindre nous l'autre fois jodi a c'est dernière émission moment vérité qu'a fait jodi a Jean l'a fait là avant élection 20 novembre puisque élection annoncée pour 20 novembre c'est ça toute autorité a dit président République, président Conseil électoral, premier ministre, toute autorité fait qu'on est 20 novembre a gagné élection dans pays d'Haïti et candidat yo ak acteur politique yo engagé yo nan sens ça. Donc nous-mêmes pourquoi pas nous relayer l'élection pour 20 novembre qui a venir là pour pays a gagné des élus. Et Peggy Jean, est-ce que vous rejoignez nous? Comment nous yenn salut ou bienvenue? Bonjour France, n'a salué Pierre Brunet avec Fritz Jean-Louis qui a assuré manœuvre technique. Nous là n'a kembe et bon, naturellement c'est deuxième édition moment vérité que nous à distance. C'est dernière édition que nous à distance tout puisque en milieu de semaine n'a retourné donc c'est avec plaisir comme à l'accoutumée nous ensemble pour nous faire débat et dans moment vérité France. Et très bien, et m'espérer semaine pas été pi mal pour passer ça. Donc, nous comptons avec nous dans la première heure, la Jean Ondil. Tout à fait, France. Alors, Peggy, situation à Jean Ondil, là, extrêmement compliquée. Li chauffé en Haïti, non sens ou bien non l'autre. C'est vrai qu'il y a que sauté par rapport à 20 novembre, non? Qui s'est passé pour journée électorale, ça, élection qui a annoncé, qui s'est passé après, le rivé dans période résultat. Mais qui s'est passé tout, et si Zoka pas gagné élection, puisque. Et ou pas, même j'avais, c'est sûr qu'on attendait des consultations qui a fait, bruit qui a couru, parole et qui a parlé. Et si bien que à chaque fois, on oblige les jeunes autorités qui a dit oui, 20 novembre, on a gagné l'élection, nous avons garanti qu'on a gagné l'élection. Donc ça démontre quelque part qu'il y a un malaise, puisque si date là est fixée pour 20 novembre, et toute disposition est prend justement pour nous gagner élection le 20 novembre, il n'est pas nécessaire que à chaque fois qu'on autorité qu'a vinn bay garantie oui élection yo et on va le dérouler 20 novembre. Donc ça montrer quelque part qu'on malaise justement dans ça concerner organisation élection ça yo quoi Peggy Jamzoli c'est malaise qui gagne. Mais avant d'entrer dans actualité électorale là Peggy et qui demdjou et rapidement matin te gon ti secousse et 4.4 et bon 1h47 du matin et ici dans pays d'Haïti et yo te signalé li et puis ça te l'a localisé et non profondeur 12.3 km ça fait te dans nord les Anglais extrême sud et dans ouest Vilokai à 35 km distance sud-ouest de Jérémy et bien secousse ça US Geological Survey Institut américain qui gère question ça a été signalé même gens et sismographe collège 4 Pressoir enregistré le tout et premier élément information laissé quoi pas gain dégâts pas gain blessé et jusqu'à présent autorité reporté donc nous prenons petit secousse qui pas fort mais quand même et moun les Anglais t'ai ressenti dans la nuit hier soir pour l'ouvrir matin donc ça qui et continue à attirer attention nous sur vulnérabilité nos fragilités nos zones côté nier à tout moment nous ka gagner tremblement de terre là nous dans période cyclone nous ka gagner une deux trois cyclones qui frappent nous même j'en tout par chance ça ka arriver que nous font année nous fait deux années nous pas gagner cyclone ou bien pas gagner tremblement de terre donc gagner plus nécessité pour autorité yo et commencer régler question aménagement du territoire question construction qui adapté à situation ça justement situation de fragilité de vulnérabilité nous retrouver pour permettre leur catastrophe ça au passé nous pas empêcher au passé mais nous réduit possibilité pour nous gagner trop perte
notamment vie humaine, mieux vaut gagner des dégâts matériels, même gens arrivé Cuba, même gens arrivé l'autre côté, gagner des dégâts considérables que on va le réparer bien sûr dans pas trop longtemps, mais yo pas perdu frère Axel la Caio et qui permettent de gagner deuil dans une population en pile côté. Donc te gonti secousse dans extrême sud dans la nuit hier soir pour l'ouvrir matin avec Guy. Heureusement, c'est pas grand chose. Heureusement, c'est pas grand chose, puisque bon, nous connaissons c'est qui ça, tremblement de terre, qui était dans l'imaginaire social haïtien il y a bientôt 7 ans. C'est pratiquement 7 ans. Oui, tremblement de terre, 12 janvier 2010, pour rien en France. Et pendant que dans notre tête, nous, ouais, c'est hier, c'est avant hier, puisque cicatrice encore visible, mais c'est pratiquement 7 ans qui pourraient gagner depuis Haïti été frappé par Kokenshan, catastrophe ça, qui était causé des dégâts matériels importants et notamment des pertes en vie humaine. Et bilan officiel, il était parlé de 300 000 morts. Donc heureusement, son petit secousse, peut-être que Claude Petit, ingénieur géologue, va bah explication. Fondamentalement, heureusement, c'est plus de peur que de mal. Oui, très bien. N'a pas entré rapidement dans l'actualité électorale là. N'a pas actualité électorale, pas bon la caille par nous, avant de traverser les États-Unis, parce que nous connaissons, attention, le monde entier depuis plusieurs jours, branché sous États-Unis, avec l'élection Donald Trump qui arrivait battre Hillary Clinton dans l'élection présidentielle, lieu, qui a paru 20 janvier, qui a venu là pour l'installer officiellement comme 45e président des États-Unis. Avant d'entrer là, on nous garde l'actualité électorale là, pas bon ici, de côté, grand pile candidat qui continue, qui reprend bâton pèlerin, qui a essayé de marcher, et par la population, hein, van vision, van programme, yo. Mais gen djou, yo gon malaise qui traverse, yo, gon série de côté là, yo rive, yo état, moun yo ap viv, surtout dans zone qui affecte, yo vraiment senti yo pas bien, pou yap mande moun sa yo al vote, mais période là oblige yo fè li, yo essayé gon discours qui approprié à situation, hein. Et c'est expliquer moun yo, c'est vrai situation yo compliqué, mais un gouvernement provisoire pap ka rezoud, pap ka même poser problème yo gen la yo. Yo obligé et confiant pour yo prendre destin yo même pour y aller voter pour permettre pays à gagner des élus légitimes, un président constitutionnel, au moins là problème yo ka poser avec nos partenaires de l'international pour essayer ouais ensemble qui ça ka fait pour Haïti. Donc c'est non contexte comme ça, c'est non ambiance comme ça, campagne électorale là pas avancé pour le fini, mais tout elle a fait tout dans un moment côté que candidat yo fatigué, yo dépense en pile énergie, yo dépense en pile l'argent, yo mobilise en pile monde, et moi même pas la quand pile là dedans qui plaignent, qui fait qu'on est situation compliquée parce que les dates élection en reporté, obligé qu'on l'autre budget yo fait, le cyclone Mathieu passé, obligé qu'on l'autre budget, l'élection en reporté encore, obligé ajuster yo, le inondation dans le nord, obligé ajuster yo encore. Donc son véritable calvaire candidat yo a passé pour une élection qui gagne toute incertitude, toute inquiétude ça autour de lui. Donc c'est dans contexte ça, c'est dans ambiance ça Peggy et campagne électorale là, il a pas avancé et notamment avec les récentes déclarations de Jean-Bertrand Aristide, chef de famille Lavalas, qui a alimenté des bayo dans média dans actualité a et quoi ou connaît monsieur puisque koto a très branché sur ça qui a passé par Bolakay. Absolument, France, on a entendu les dernières déclarations de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était aux côtés de Maryse Narcisse. Et c'est justement et pour déclaration sérieux que CEP a été invité ou convoqué Jean-Vlet Maryse Narcisse pour bas explication sur déclaration sérieux. Apparemment, l'encontre n'en déroulé très bien. Bon, déclaration Jean-Bertrand Aristide nous connaît. Dans la sociologie politique haïtienne, leur parler de déchouquage, nous connaissons qui ça veut dire, c'est un mot qui fait peur. Et naturellement, Jean-Bertrand Aristide, c'est pas n'importe qui, son ancien président d'Haïti, c'est un grand intellectuel, on peut permettre de dire ça. Jean-Bertrand Aristide, c'est, un ancien président qui gagnait encore yon influence sous société haïtienne. Non? Maintenant, déclaration ça yo, c'est des déclarations d'après moi-même qui malvenues, c'est des déclarations d'après moi-même qui malheureuses, qui pas opportunes. Il est vrai, pas qu'on ait qui ça, Jean-Bertrand Aristide, t'es gagné comme information, le fait de pareille déclaration,
Mais toujours est-il que de pareilles déclarations capables de prêter à équivoque et capables de polluer l'atmosphère sociopolitique là. Donc moi-même, je pensais que c'est des déclarations qui pas nécessaire et qui peut-être servi de mise en garde à un bagage qui peut-être t'es pour Alvini ou bien qui pour Alvini, mais nous connaissons ça des choucages qui étaient pour le pays d'Haïti, nous connaissons des choucages pour tes inquiétudes, l'hypothèse, même pour tes deuils même, etc. Donc moi je pensais que fondamentalement, c'est des déclarations qui malheureuses, même si Jean-Bertrand Aristide est capable de gagner des informations que moi-même ou bien que vous-même qu'on pas gagner, mais ça n'a pas empêché que pour le moins nous estimer que déclaration sérieux pas bienvenue. Ah oui, moi même pas c'est pas qu'une explication est possible et en quel monde Gavin prétend et ben l'opinion sous déclaration Jean-Bertrand Aristide pour monde d'ab dire que peut-être John dit là ou pas contre motivation ou ben l'autre monde qui va venir essayer expliquer que c'est pas ça le devle dit ou bien mais qui sens li gagner et en aucun cas je dis à pays a pas paré pour prendre des choucages son forme ou bien son l'autre soit en quelle forme pays a pas paré pour entrer dans quel déchoucage là d'ailleurs pays a dans des choucages déjà. Pays a un déchoucage et tout le monde en misère son forme de déchoucage lié. Pays a un déchoucage parce que nous avons fragilité environnementale. Côté que tout le monde a envie de quitter pays a. Donc son, au contraire c'est gourmet pour nous gourmet contre forme de déchoucage ça aussi nous carrément comme ça. Donc dans ça ni là je dis à dans ces discours ça il est très malvenu. Mais rien d'étonnant venant de Jean-Bertrand Aristide puisque nous habitué avec personnage là et nous connaît capacité le niveau ça velléité le niveau ça action le poser tout qui cadre avec ça. Mais on l'autre précision d'un effet. Et gon réponse monsieur dame Lavalas yo d'attendre Gérald Gilière sous scoop et député printemps Belize à Lavalas yo essayé bay sous plusieurs médias dans la capitale là pour essayer expliquer et déclaration ancien président Jean-Bertrand Aristide fait yo quelque part d'accord avec yo. Yo expliquer que alors yo pas gain raison faire mais m'a expliquer ça m'dou la Peggy. Yo expliquer que et pays a habitué gain des choucages et yo dit que en 1990 yo te déchouqué Jean-Bertrand Aristide du pouvoir mais avec un coup d'état c'est la médaille éthique te fait, c'est vrai. Yo expliquer que en 2004 yo déchouqué Jean-Bertrand Aristide du pouvoir, il était gain mobilisation tout secteur dans vie nationale la Guy Philippe etc. C'est vrai, yo te déchouqué au vrai sous pouvoir, mais ça pour yo comprendre déchoucage ça yo t'a parlé à dans le temps, yo pas servi pays à rien finalement. Donc c'est pas des exemples à suivre parce que en 1990 si pas gagné coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide, si Jean-Bertrand Aristide lui-même t'est élevé dans dimension un chef un homme d'état pour t'essayer réconcilier tout secteur vie nationale là pour te mettre Haïti au travail. Tout jeune qui t'a soutenu à l'époque yo qui t'a fait entrer dans politique avec toute fougue yo tout ça yo gagné comme compétence comme expérience et comme inexpérience tout li t'a canalisé moun sa yo et bien c'est sûr nous pas dans situation nié et jodi a là et 26 ans après si en 1994 Jean-Bertrand Aristide l'est retourné pas obligé fait troupes militaires américaines entrer dans pays il a été négocié avec général Cedras c'est sûr pays a pas dans situation non, là non, maintenant non, en 2004 la, attends Peggy qui négociation qui pas jamais abouti puisque Jean-Bertrand Aristide pas jamais arrivé en personne chez t'a parlé à Raoul Cedras qui t'aime fini point Peggy Peggy permettez-moi fini point ensuite ou réagir même Jean-Tout même Jean-Tout en 2004 l'étape pi bon pour pays a si Jean-Bertrand Aristide te rivé joindre un accord avec les forces d'opposition que t'en face li dans intérêt Haïti laisse à nous pas t'a gain départ Jean-Bertrand Aristide nous pas t'a gain sang couler nous pas t'a gain opération Bagdad nous pas t'a gain kidnapping et grand pile monde dans pays a pas né attendre ça n'a dire là c'est sûr pour y faire chair de poule parce que y a perdu famille y a perdu madame y a perdu petite etc. dans période difficile ça donc son façon m'expliquer au Peggy déchoucage la son forme ou bien son lot li pas mené pays en quel côté. Donc l'idéal, l'idée serait que acteurs politiques yo ou acteurs importants tant que Jean-Bertrand Aristide quitte le té au pouvoir, quitte le pas au pouvoir, s'il te fait justement ça le té gain pour le faire dans niveau parle et bien grand pile malheur pays a connait le pas tap connait yo. Donc son façon me dit monsieur, c'est vrai, yo dit Léopold Bélanger c'est des choukel té dans 2004 et yo parlé d'un bande l'autre monde qui té des chouké président Aristide, mais faut que monsieur comprenne, pays a bouqué. Avec pratique de choucage là, quel que soit le monde qui fait, quel que soit le fait là,
parce que résultat yo nous pas prévé nous tout nous yo résultat c'est que je dis à nous une jeunesse qui tourne ça le tourner hein et tout besoin parti quitter pays a nous une jeunesse qui pas travaille nous gagne des jeunes c'est dans violence yo tombé il y a prostitué tête yo nous gon pays c'est blackout c'est misère pas gain l'école c'est fatra et moun yo a vivre dans situation et côté même bête dans l'autre pays pas vivre donc résultat c'est ça nié en balure tête nous donc quelque part il y a des erreurs qui fait de part et d'autre on façon pour me reprendre pour pays avant baou déchoucage là quelque soit sous forme ou prendre là il pas mener pays en ken côté donc déclaration Jean-Pierre Aristide yo pas gagne rien qui ca justifier pays a pas besoin d'entrer dans ken cycle déchoucage encore bon là je pense que tu as parlé d'or. Je pensais qu'on parlait d'or, sauf que question que Jean-Bertrand Aristide en 1994 a voulu négocier avec Raoul Cédras durant la période du coup d'État, là, pas pour le bail Jean-Bertrand Aristide en quelle culpabilité là. Parce qu'en réalité, coup d'État 30 septembre 1991, c'était un événement sanguinaire qui était cause la mort de plusieurs milliers de mouns. Ça fait qu'arriver, bon. Ça t'est arrivé, nous dit que Jean-Bertrand Aristide t'est doué transcender dans l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, c'est la mieux, oui. Eh bien, c'est la mieux, Peggy. Nelson Mandela l'avait fait. Pourquoi pas Jean-Bertrand Aristide? Eh bien, ça t'est arrivé, tout que nous dit que même pour mémoire, moun qui mourir, que Jean-Bertrand Aristide pas obligé Chita avec Raoul Cédras. Non, dans l'intérêt du pays, Peggy. Dans l'intérêt du pays, pas qu'un sacrifice qui est trop grand. Oui, Nelson Mandela t'est fait, lui, mais pas oublier que nous. Nelson Mandela ou pas rien yon Nelson Mandela par siècle. Moi, non, c'est clair. Je ne vais pas comparer Aristide avec Mandela. Je vais garder le comportement politique. De Montréal à New York, moi, t'as voyagé avec un Congolais que m'a salué au passage. Un Congolais hier, nous font pile temps pendant nous à bord, n'a parlé de l'histoire de l'Afrique, n'a parlé de Haïti. Monsieur connaît des noms, tant que Jean-Bertrand Aristide, Michel Martelly, m'a demandé monsieur qui ça le retenu de Haïti, n'a parlé de Nelson Mandela, mais nous concluons que, ou pas rien, y a Nelson Mandela chaque siècle pratiquement. D'accord. Par exemple, si pour Martin Luther King, si pour Martin Luther King, si pour Nelson Mandela, et quelques autres figures de renommée internationale, de renommée mondiale, donc ça veut dire, mais. Nos hommes politiques, pas quand même rivés dans la cheville, Nelson Mandela, on va pas oser comparer Jean-Bertrand Aristide à Nelson Mandela. Non, mais c'est clair, Peggy, non, mais c'est clair, on va pas faire Nelson Mandela, on va pas faire mémoire Nelson Mandela, tout ça. Moi, je dis au moins, elle t'est assemblée avec une approche là. Une attitude de réconciliation, de rapprochement, un intérêt pays. Même pas d'abord, tuer Nelson Mandela l'autre fois, mon cher, entre nous. Oui, bon, naturellement, je pensais que ça aurait été mieux si Jean-Bertrand Aristide t'a dit que. Ou bien une élection honnête qui fait, ou bien population exiger du CEP la tenue des élections. Une déclaration comme ça qui est passée dans l'opinion publique, mais revenir avec le terme déchoucage, je ne connais toute sale charrier en terme de mauvais sourire. De violence. De la sociologie. C'est certain. Alors, Franz, permettez-nous de saluer au passage Pasteur Denet, qui branchait depuis la Floride. Pasteur Denet, qui toujours font résumé de Mouvement Vérité chaque dimanche dans l'émission que le gagne en Floride sur Variété et Réconfort, quand ils font résumé de Mouvement Vérité. Pasteur Denet branché et M. Jean-Bernard Chirito, qui souhaite communiquer avant, communiquer avec nous, qu'il est connecté avec nous. Bon. Alors, mais depuis l'homme tapant des introductions, Franz, moi, estimé que tu n'es pas convaincu de la tenue des élections. Parmi les fonds jodian, nous avons seulement 9 jours de la tenue des élections. Donc, si vous-même, comme journaliste avisé, qui souterrain, hein, parce que l'homme, sur façon introduite, ou dit que toute autorité au bail garantie, mais c'est un coup vous-même, tu n'es pas convaincu que les élections auront lieu. À ce qu'il paraît, c'est ça, moi, je l'ai senti la caillou. Mm-hmm. Même des candidats qui n'ont cours là pas convaincu. Parce que, il y a autant de même j'avais, mais tractation qu'a fait, et consultation qu'a fait, réunion qu'a fait, qui allait dans l'autre sens là. Mais quand même, il y a déjà dans cours là, il y a engagé, il y a pas fait bac, il y a pas allé jusqu'au bout. Donc, peut-être, monsieur Dame Lavalassio, il y a des informations, il y a gagné tout, il connaît. Peut-être bien, et qui fait que vous faites des sorties dans la presse fracassantes et menaçantes, si vous voulez.
Donc, son façon de dire, qui gagne une situation d'incertitude dans le pays là, qui fait que on pas senti véritablement côté de braler de manière claire. Même quand l'élection 20 novembre, il est arrivé fait, il y a quelqu'un qui dit, mes amis, qui j'ai fini. Bon, on prend pour qui l'élection est fait. Lors considérer comportement acteur affiché, on demande vers qui ça ne braler parce que Jude Celestin d'où lui-même, c'est dans le premier tour, son seul coup de clé. Et Jovenel Moïse d'où même bagaille là, c'est lui qui a président, son seul coup de clé. Moïse Jean-Charles d'où, s'il pas président, c'est révolution, c'est lui qui a bon dans le premier tour. Maris Nassis d'où élection finie déjà, c'est la valasse qui a bon. Et Jean-Risséan même d'où, c'est le rassembleur, c'est surprise qui va gagner l'élection, ça, tout le monde va gagner. Donc, Wapman d'où, qui ça va le passer, l'autre, laisser forme de discours ça, Wapman d'où, dans la bouche des candidats. Et proche candidat yo maintenant on demande aux partisans yo sympathisants yo qui dans la rue a qui pas gagné un gros niveau d'analyse ou de compréhension ces chefs yo y attendre ces chefs yo y suivre donc il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir immédiat de notre pays donc c'est là mien parce que personne jodi a l'impression pas accepter que le perdu élection et tout le monde pas gagner donc on demande vers qui ça ne braler d'attendre régional boulot c'est Mandou, comment ça est dans grand sud là. Est-ce que et nous connaissons que les gens avaient tout perdu? Est-ce que finalement Mounio gagne un document qui permet que yo exerce droit de vote? Et pas gagné clair dans niveau ça et au contraire était même une manifestation dans sud et élèves qui demandent l'école parce que l'école yo servi d'abri provisoire et gagné possibilité pour ces détentes yo ouvert pour permettre Mounio à voter. Donc c'est l'incertitude. C'est l'incertitude sous 20 novembre. Même d'aptant déjà me d'avoir signalé tout à l'heure et Reginald Boulos c'est sous scoop dans semaine là qui t'a expliqué mieux vaut nous avons un choix entre mauvais et pire. Mauvais, c'est faire élection en 20 novembre. Quelques milliers de monde pas arrivé voter. Majorité de monde voté. N'accepter résultat vote, la résultat élection. C'est mauvais. Mais pire là, c'est pas faire élection. Pays a tombé dans un chaos généralisé. Avec un président sans mandat qui pas campé sous rien du tout. Avec un parlement qui pourrait dysfonctionnel bientôt. Avec un coup de cassation qui j'en lié à, donc pouvoir judiciaire qui bancale tout. Donc, M. Dou, nous avons choix dans le cafounier aujourd'hui, en tout mauvais avec un pire. Et là, moi comprends l'approche là. Moi comprends l'approche là parce que M. dit, l'on prend deux facteurs ça, l'on prend deux réalités ça, gagnons là-dedans, conséquences à plus néfastes pour Haïti. Donc, dans ce sens-là, je comprends l'approche là. Et si tout acteur te comprend comme ça, yo tap gon discours d'apaisement et yon nanmay ki fort m'estime monsieur dit nan intervention là li estime quel que soit candidat qui t'a gagné alors nan sac devant yo Jean tout sondage yo tout et perception yo montre li t'a gagné intérêt chita klot yo pour fon ralliement pour fon apaisement pour permettre pays à comme si t'a ralon souffre pour sortir nan attaque systématique ou bien violence ou bien mettre l'autre sous côté qui c'est Jude Celestin Guin Jovenel Moïse Jean-Charles Maris Nassi Jean-Risséan Edmond Bozil que t'a relé l'autre yo le chita avec yo t'a essayé font gouvernement d'ouverture pour pays à ta gonti apaisement problème environnemental yo t'a posé et question création job t'a essayé fait moi c'est approche ça le fondamental mais bloc tant des candidats au Pegi nous très 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 loin de là côté que c'est ego mounio de plus en plus qu'apparaît c'est ego ici qu'ap manifester dans tout ça fait comme déclaration et c'est envie revivre des moments sombres mais vraiment très sombres que pays a été connu dans le temps c'est ça ou l'impression qu'ap passer dans l'esprit en pile monde le Lavalas parle de déchoucage. Les Moïse Jean-Charles parle de révolution. Les Jude Celestin d'où, sac terrivé en 2010, pas privé en 2016. Les Jovenel Moïse d'où, nous pis fort, et nous pis sage, mais nous pas fait bac. Donc, son ensemble de discours, et qui fait que, peut-être tout le monde pas qu'à Fred Jodia, gon situation vraiment d'inquiétude, d'incertitude, et ben, c'est acteurs politiques yo, et candidats yo, yo gon gros rôle pour yo jouer dans ce sens-là, et conseil électoral là, ben, c'est tadoué. Et font travail dans niveau ça tout pour attirer attention yo et pour au moins ta calmer les esprits parce que là Peggy nous sommes à l'heure de grandes inquiétudes. Oui oui France, me comprendre oui, me comprendre toute analyse qu'on fait et moi d'accord avec lui. Bon, naturellement moi on petit gens d'accord avec approche régionale Boulos là. C'est entre deux mots on choisit le moindre. Mais évidemment. Apparemment, organiser élection yo, dans la limite que nous connaissons,
faiblesse de l'infrastructure, en pile citoyen qui n'a pas exercé droit de vote, ça qui constitue une violation grave des droits humains, droit pour choisir dirigeant ou droit et tout ça. Donc, nous comprenons la vérité situation, mais si l'élection n'est pas arrivée faite, nous pensons que le pays a tombé dans le chaos, dans l'incertitude qui, côté, nous capable d'obliger. Le pire. Oui, grand pile. Grand pile secteur, je dis, grand pile secteur, je dis, estimé, et il faut jouer la carte de la Cour de cassation. Donc, c'est ça qu'a parlé, je dis, à là, au cas où l'administration privée a échoué dans l'élection 20 novembre, ou bien s'il n'a pas fait, ou bien s'il a fini mal, rapidement, il faudra se tourner vers la Cour de cassation pour une nouvelle transition. Et ça, la parler. Comment on va tourner vers la Cour de cassation? Eh bien, Peggy, qui t'aime dire? Avec configuration qu'on vient dans la Cour de cassation. Eh bien, justement, qui t'aime dire, Peggy? C'est ça qu'a parlé là. C'est ça qu'a parlé. Et j'aime dire là, il y a des consultations déjà engagées dans ce sens-là. Parce qu'ensemble d'inquiétudes nous sommes soulevés là, acteurs politiques qui sont conscients de lui. Donc, il y a des gens qui pas quitté la situation à dégénérer sans contrôle. Ou bien, c'est la violence qui a triomphé. Déjà, quatre ça grand pile monde qui a paré pour yo filer et même grand pile consultation qui déjà fait dans niveau ça. L'autre point de vle attirer attention sur l'IPEGI sur dernier sac passé par rapport à déclaration et chef Lavalasta Jean-Maître Aristide et une explication et militant lio bien sympathisant lio bay yo estime que 22 janvier que ça passé là et son déchoucage électoral yo te fait qui t'a empêché et administration Matelia a fait élection grain soulier pour Jovenel d'après ça dit. Mais là encore, à regarder les conséquences, l'engagement des conséquences ça a fait, là encore, c'est des actes violents que le pays a pas de besoin parce qu'il y a des citoyens et qui perdent du machinio, qui perdent du business, qui victimes jouent ça, puisque c'est violence, monsieur, dame politique, qui ont été organisés dans le pays pour empêcher l'élection, le pays a pas de besoin de ça. Maintenant, l'engagement de manière objective, qui ça vient passer après? Sur le plan politique, Peggy, même au plan de la perception, et de la réalité tout dans une certaine mesure. Pas gen grand chose non qui change. L'un prend de l'élection yo gâté année passée à jodia. Et objectivement, Jude Celestin à Jovenel Moïse, pas gen personne non passé devant yo dans perception ak nan moun k'ap fè campagne qui rive vrai toucher population. Là m'a parlé, m'a gade réalité à de face, de près. Moun nou ka di ki prend quelques plumes Peggy, moi yon k'ap observer de très près. C'est peut-être Jean-Henri Seyan qui prend quelques plumes pendant période ça. M'te ka di Maryse Narcisse tout, mais ça que fait m'pa ka di Maryse Narcisse, c'est pas dans débat Maryse Narcisse aller, c'est pas dans la presse aller, c'est pas ak population là le parler qui traverse ces populations ak discours, mais c'est plutôt des sorties des fois fracassantes de Jean-Bertrand Aristide qui attire attention sur Maryse Narcisse. Mais véritablement pas gen grand chose qui change dans peloton de tête là. Et puis finalement cyclone nan qui vient affaiblir Moïse Jean-Charles en quelque sorte. Parce que lui estime qu'il y a des moyens ou pas gagnés pour y faire ensemble de dispositions pour y arriver sur la population. Ça veut dire, sur le plan politique, globalement, pas grand chose qui change. Naturellement, bon, moi-même, je ne vais pas partager le point de vue ça du tout. Ah, je suis content, allez-y. Je ne vais pas partager le du tout. Mm-hmm. Moi, je ne pas croire que c'est Jovenel Moïse avec Jude Celestin qui est en tête. Qui est sous quoi que nous m'pavle utiliser terme perception du tout. Non, son analyse n'a pas fait, nous, aidez-moi, puis clair. Non, ma bonne opinion. Vas-y. Ma bonne opinion, moi. Vas-y. Tout d'abord, sondage, il y a un peu de doute sur le sondage qui était fait, yo. Au point que même Jean-Henri Seyan toujours a mis accent sur un aspect capital, à savoir. Quel est le commanditaire du sondage? Vous avez remarqué que je n'ai pas mis l'accent sur le sondage dans samedi. Vous avez remarqué ça? Je n'ai pas mis l'accent sur le sondage. Vas-y. Non, moi-même, c'est ça que fait chaque fois dans le moment vérité, bon, pareil que moi-même dit. Moi-même dit que candidat qui est important, yo, c'est électeur yo, avec 4 de vote qui a décidé. Non, Peggy, là, je ne suis pas d'accord. Non, non, quel pays pas comme ça? Non, Peggy. Moi-même, vas-y. Candidat qui dit que dans la perception qui est devant yo, bon, même pas quoi du tout devant. Bon, qui est-ce que vous pensez que devant, selon compréhension pour selon compréhension pour là, je ne suis pas sondage. Selon compréhension PAM, c'est des élections
qui est capable de surprise, même Jean-Pierre côté mié actuellement là. Non, mon cher Peggy. Surprise. Ça arrive l'élection en fait là, et Louko Désir président, ça a son surprise. Mais là, on analyse objective. En fonction de réalité, moun kap fè campagne, réaction population, moun ki rive pi loin, moun ki gon parcours, etc., moun ki gen secteur yo rallié derrière, c'est là mien. Nan des analyses objectives. Nan des analyses objectives. M'pa même rete nan question sondage, non? M'ap gade réalité à sous terrain parce que m'suiv tout moun yo net, m'gade de très près sur le terrain ça kap fèt yo. C'est là mien. Vas-y. Si m'ap parle de rassemblement, il y a plusieurs aspects pour mettre en exergue. D'abord, vous avez des visages qui sont dans le rassemblement Jacques et pour certains qui sont dans le rassemblement Pierre. D'accord. Ça, sociologue est capable d'essayer d'expliquer. Oui, c'est même clientèle politique. Si m'a parlé, en deuxième élément, si m'a parlé de rassemblement, il faut que je regarde combien de candidats qui gagnent 20 bus derrière elle, même si que là dans le nord, c'est l'Imen et dans le sud. Est-ce que pas des cob que le bail Mounsayo que le mène? Est-ce que Mounsayo obligé voter le vrai parce que yon là? Est-ce que des moun qui vini parce qu'on met de musique ou bien parce que li remen ou li avèl? Est-ce que des l'autre qui vini parce que wap bay manger ou bien parce que wap bay l'argent? Faut analyser toute facette ça yo. Non mais tu as bien dit d'accord avoir parfaitement. Sou pas analyser facette ça yo ou ka prendre surprise pratiquement. Non, moi me prends tout aspect ou dit. Moi considérer tout aspect ou dit là. Non, moi considérer tout aspect. Non, moi considérer tout aspect ou dit là yo. Mais dans quel pays résultat élection c'est pas surprise. C'est pas surprise j'en dis allié pour un peu le monde. Il y a parlé de Trump comme surprise, mais nous va arriver là d'un pied devant l'analyser analyser réalité américaine, contexte organisation élection, ensemble de faiblesses qui te gagne dans camp démocrate là, élection Trump là pas une surprise. Nous va arriver là d'un pied devant parce que il y a des facteurs Peggy, attends. Il y a des facteurs clairs nous va arriver là-dedans. Il y a des erreurs graves, il y a des estimations que monsieur dame démocrate ont fait, ont été trompés, ont été trompés à 1000% qui viennent expliquer échec de pour arriver là d'un pied devant. Mais là moi je voulais dire tout aspect qu'on soit signalé, on considère tout puisque nous connaît, on a suivre nos clientèle politique yo presque tout côté yo, c'est même nous réaliser gain mon effectivement c'est 1000 gouttes, c'est 500 gouttes yo bail pour mon déplacer. Mais Si on va manger, ça la donne tout. Moi, je veux dire, quel que soit pays élection pour le fait, il y a des analyses qui fait, sondage là même s'il gagne toute faiblesse li, nous ka considérer le qui permettent que l'opinion gon idée de youn deux trois moun qui ka arrivé président. C'est même situation gagne en Haïti. Li ba différent non? C'est même situation gagne en Haïti. Quel que soit élection à faire là, il y a des candidats ou gagne dans course là, li gon longueur d'avance par rapport à l'autre candidat yo. Maintenant s'il pas arrivé gagne, ça ka arrivé que le pas gagne, ça ka arrivé tout gon surprise. Mais dans cas d'on analyse ou pas ka dim, Jude Célestin, Jovenel Moïse Jean-Charles, Marise Narcisse, Jean-Henri Seyan, c'est pas des candidats importants, c'est pas le plus gros candidat dans course là. Quel que soit Jean Virel, Jean Tournel. Non, moi-même vous comprenez? Non, si par exemple vous faites une analyse, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, par exemple, vous citez deux candidats et vous croyez que ces deux candidats qui pourraient avancer, moi-même. Non. M'badou, c'est vous pour avancer. Non, moi, d'où Jean, situation vous avez gagné dans l'opinion avant des autres 22 janvier, réalité ça n'a pas changé, je dis. C'est là, mieux. M'badou, c'est vous forcément, non? Peut-être que vous avez mal suivre, moi. M'badou, c'est vous forcément, non? Moi, d'où Jean, vous n'avez pas arrêté. Jean yo te paraît dans l'opinion avant des autres ça été fait. C'est même Jean yo paraît jodi a. Si bien que même l'autre candidat yo l'a parlé, yo dou c'est vrai, yo dit c'est de toi l'autre candidat, donc yo même yo paraît tout, même j'ai demandé Bozil contester ça. Donc c'est pour montrer dans l'opinion, dans la perception qui lié toi en certaine réalité, candidat ça yo gen force et qui paraît supérieur par rapport à l'autre, yo nous pas ka nier ça. Mais non ça pas veut dire que c'est yo pral gagner pas du tout parce que quand même ou élection li ka jouer son détail ou ka saisir en début de tout ça n'a dit là 20 novembre gon bande moun ki sorti ka l'exprimer ral bol yo qui voter pour un candidat qui peut-être pas nan ni nan première ni nan deuxième ni nan troisième position c'est dans l'ordre des choses possibles. Mais dans cas d'on analyse nous pas ka al mettre accent sur ça qui plus improbable ou bien peu probable là faut que nous aller sur ça nous qui plus gain possibilité pour le fait. Maintenant s'il pas fait kounia pour l'analyser pour nous permettre moun yo comprendre pour qui ça
et ça que t'as dit dans le sondage, ça que t'as dit plus dans les médias, c'est pas ça que fait. Même gens sont vivent ça aux États-Unis, ça que t'as dit dans le sondage, ça que t'as dit dans le débat, ça que t'as dit dans fomenter l'opinion, c'est pas l'écrivain dans l'élection, mais là, elle prend réalité américaine, non, on va comprendre un peu le monde, t'es certain que même c'est Donald Trump qui va gagner l'élection, ça. Donc c'est là, non, alors c'est juste le contraire, oui, France. Et majorité analyse au niveau mondial, majorité professeurs de droit, majorité professeurs de Sciences Po, majorité de spécialistes des questions électorales américaines, te prévoient une victoire de Hillary Clinton. Mais c'est ça me dit oui, Peggy, c'est ça me dit oui. Tout sondage, go analyse, c'est ça que tu as montré, c'est ça me dit oui. C'est exactement ça me dit oui. Absolument. Mm-hmm. C'est exactement ça me dit oui. C'est exactement ça me dit oui. Absolument. Bon, en tout cas, on nous croit que, bon, on croit que c'est position tout, donc population, électeurs, avec bulletin vote, yo, yo pourra décider qui laisse, yo pourra le bail à venir pays, parce que j'en sorti là, nous gagnons des problèmes majeurs que yon équipe provisoire par mesure pour y adresser, et nous choisir démocratie représentative, donc le peuple, par l'entremise de ses représentants que le placer. Au niveau des pouvoirs de l'État, c'est eux-mêmes qui doivent prendre gestion du pays. C'est ça, c'est ça. Donc, comme nous arrêtons un peu le temps pour première heure, la Peggy n'a pas entré dans l'élection américaine, n'a pas entré dans la victoire de Donald Trump, et défaite Hillary, que l'équipe démocrate n'a pas prêt pour digérer. Mais en termes d'information, il faut dire rapidement qu'il y a un peu les manifestations qui continuent à faire dans plusieurs villes dans les pays États-Unis. Et par exemple, dans New York, c'est la troisième nuit et colère un peu le monde qui parle de Trump. Ils ont été rassemblés devant Trump Tower, côté président élu Haïti. Eh bien, hier, dans Miami, ils ont envahi une autoroute côté où ils ont bloqué le trafic là. Et il y a une même série de manifestations dans San Francisco, dans Portland, dans Atlanta, avec Philadelphie. Et donc, il faut que nous disions, il y a un pile citoyens américains, électeurs, surtout pro-démocrates, et qui peuvent comparer, qui montrent qu'ils ne sont pas parés pour digérer les défaites candidats Hillary Clinton dans l'élection face à Donald Trump. Ah oui, France, je pense que c'est des élections qui ont un coup de foi, je l'ai même dit, au niveau mondial. Je m'a regardé le Premier ministre canadien, Trudeau, je m'a regardé le Premier ministre québécois, je m'a attendu un pile gros dirigeant dans le monde qui réagit. Maintenant, qu'est-ce que tu as expliqué, victoire Donald Trump, en victoire que majorité monde, un pile analyste dans le monde, pas de pensée. Naturellement, si nous cherchons une explication, France, gagne un peu d'éléments que nous avons avancé. Par exemple, au sein du camp démocrate, il y a un malaise. Implicitement, fait allusion à lui. Oui, il y a un malaise au sein du camp démocrate. Le fait que Bernie Sanders, que un peu le monde dans le camp démocrate, dans l'électorat démocrate, l'a apprécié, et le fait qu'il a découvert des emails qui montrait que establishment ou bien voix qui vivait imposée au sein du camp démocrate était d'avis que bagarre arrive côté l'IA, à savoir c'est Hillary qui joigne investiture démocrate là, ça et bah ont conséquence. Conséquence c'est que grand pile monde dans parti démocrate là dont des jeunes qui décidaient de pas voter. Yo non, Hillary Clinton tout nous avons dit une sorte de symbole de la continuité, une sorte de symbole de l'establishment qui est en place ici aux États-Unis et qui est un pile américain qui bouquait parce que je dis en situation difficile aux États-Unis, France, sous gain 200-300 $ dans main ou entrer dans le supermarché aux États-Unis, c'est pratiquement si ça achète que vous sortez avec elle. Donc, classe moyenne en difficulté et il est vrai, Obama était venu avec Obama qui est allant, même c'était heurté à difficulté au niveau du Parlement, du Congrès américain, qui fait que Obama qui est allant pas exactement s'allié à. Peut-être que les 30-40% de ça que tu prévois dans Genèse initiative là. Maintenant, façon que Bernie Sanders tombait dans le camp démocrate là, et là, regardez où est tout, c'est que toute une machine qui mettait en place pour que c'est Hillary qui accédait à l'investiture démocrate, ça créait une dissension, un malaise, côté d'île, au sein du camp démocrate.
ça c'est un facteur qui pas joué en faveur Hillary Clinton. D'autant plus, dernier ça FBI est sorti là, sous question piratage là. Donc là encore, Hillary Clinton prend un coup dur. C'est des raisons et un pilote qui est capable d'expliquer des faits Hillary Clinton dans l'élection par rapport à Donald Trump, que représenté comme un mec qui est abondé. Au point que, gagnant, alors New York, Canada, côté de pays avant hier, et la communauté haïtienne à Montréal, gagnant un petit bagage qui a fait sortir. Mm-hmm. Je dis, Milot Maniga avec Hillary Clinton, c'est deux femmes qui gagnent deux pays différents, mais qui gagnent à peu près la même histoire. D'abord, tous les deux étaient sénateurs de la République. Mm-hmm. Et deuxièmement, tous les deux étaient candidats à la présidence. Troisièmement, tous les deux étaient Mario, qui est ancien président. Il était première dame. Et absolument, tous les deux étaient première dame. Et cinquième point de rencontre là, les deux ont été battus par des Green 5. C'est ça qu'ils disent. Ça veut dire, ils ont présenté Matéli comme un Green 5, qui a les Milan Maniga, et Trump encore, ils ont présenté Trump comme un Green 5. Oui, donc, ils ont présenté 5 points de ressemblance entre Milan Maniga et Hillary Clinton. Oui. Toujours est-il que l'élection, ça a défié tout sondage, défié toute analyse. Bon, maintenant, le président russe lui-même, monsieur Yon, un dirigeant dans le monde qui ont été contents à Crivea au point que, au point que monsieur Dickel souhaitait que avec l'élection de Donald Trump, eh ben, y ont air de coopération qui commence à souffler, commence à ouvrir entre deux pays. Très bien. Ou t'as parlé de quelques points qui t'as qu'à expliquer, Cheikh Hillary. Alors, ça ne qu'à ajouter, c'est que Gagnon qui fait dans le camp démocrate là. Hillary Clinton te gen en tête li d'après sa toute analyse montrée et puisque li te sorti pour démarquer l'histoire comme première femme qui t'a pral quitter sous route pour arriver président et dans tête pays États-Unis il te pensé tout électeur femme t'a pral voter pour lui là c'est une erreur elle fait le tromper et deuxièmement Hillary Clinton te pensé électorat Barack Obama te gagné en 2008 là qui t'a porté le sous pouvoir et comme démocrate il t'a pensé de manière tacite qu'il a bénéficié de l'électorat ça. Donc c'est une question qui était dans tête qui était dominé qui fait que il était gain ça dans tête il a trompé véritablement. Maintenant dans question femme là, il y a un pile monde qui remettait en question attitude justement Hillary Clinton par rapport à Maril puisque ou songe scandale Monica Lewinsky comportement et Hillary Clinton qui était soutenu Bill Clinton sur toute la ligne mais grand pile femme Peggy non comprend approche là Peggy Dominique Strauss-Kahn non Peggy c'est pas moi même non moi dis ou grand pile femme dans pays États-Unis qui pas pardonner ça justement c'est pas que l'attitude est pas bon non grand pile femme qui pas pardonner ça et pas voter peut-être ça mais fondamentalement grand pile monde nous tendez qui a voté tout. Yo dit yo pas voté pour Trump mais yo voté contre Hillary parce que yo estimé Hillary Clinton n'inspire pas le changement, c'est la continuité parce qu'il gagne plus de 30 ans dans les sillages de Washington a fait politique au plus haut niveau dans pays a. Donc yo pas senti que Hillary Clinton est comme de fait li pas inspiré changement dans tête des pays États-Unis comme président. Donc là yo dit c'est vrai, yo pas pour Trump à 100% comme quoi il va soutenir, il va voter long, mais yo pas vle continuité Hillary, yo vle changement et comme c'est Trump qu'en face Hillary, yo sorti à voter Trump. Donc son réalité que moun yo exprimé et dans élection yo avant et après parce que gen sondage qui fait même après élection yo et soit regarder gen chiffre qui dit environ 38% moun qui saute voter. Leur saut de voter, yo passe nan micro journaliste ou bien yo prend plus mieux écrit, yo dit yo saut de voter changement. Donc si yo dit yo saut de voter changement, donc c'est sûr que yo pas saut de voter pour Hillary. Absolument, d'autant plus que j'en dis là, j'en dis tout, Hillary symbolise une certaine continuité justement. C'est ça. Et c'est à peu près votre ça pour te guérir en Haïti 2010-2011 avec Michel Martelly. Dans une certaine c'était mesure. Justement, il y a une rupture que Mounio, dans une certaine mesure, bien sûr, t'es vrai. Mais l'autre aspect fondamental pour que ne pas oublier dans le jeu électoral américain en France, c'est pas le suffrage populaire qui élit le président, ce sont les grands électeurs. Et Obama arrivait gagner 289 grands électeurs
alors qu'il était besoin seulement 270 pour l'accéder à la Maison Blanche. Mm-hmm. Il est important vraiment que nous disions deux mots sur la question grand électeur, parce qu'un pile monde pas arrivé à comprendre. Alors rapidement, faut dire monde Peggy, grand électeur, c'est pas une personne physique, c'est pas un monde. Si vous êtes aux États-Unis, là, vous demandez pour rencontrer un grand électeur, vous faites vous ou pas John Rennie, parce que grand électeur, c'est pas un monde lié, mais c'est plutôt et un État qui a une force électorale. Donc c'est qu'on s'allie, son système qui est très 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 complexe. Et en fonction de quantité électeurs qui gagnent dans l'État, par exemple, si vous prenez Alabama, gain 9, Alaska, gain 3, Arizona, gain 11, l'élection en fait en deux candidats. Si l'État a gagné 55 grands électeurs tant qu'en Californie, si par exemple, gain 100 personnes qui votent pour Hillary, gain 98 personnes qui votent pour Donald Trump. Donc même si c'est deux voix de différence qui séparent, c'est Hillary qui remportait Californie. Donc candidat qui fait plus voix dans l'État, il remportait quantité grand électeurs qui gagnent. Donc ça veut dire même si vous gagnez une, deux, trois États, si vous pas gagné quantité grand électeurs qu'il faut, l'autre là même gagne 4-5 qui totalisent un plus grand nombre de grands électeurs, c'est lui qui a gagné l'élection. Et c'est ça qui fait nous dans situation côté que même le Hillary fait plus voix dans la réalité que Donald Trump, c'est Donald Trump qui remporte l'élection parce qu'il totalisait plus grand électeur. Donc son système qui est très 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 complexe, mais il demandait que nous expliquions Mounio à chaque fois pour qu'il y ait plus ou moins une compréhension et qui dégage de lui-même, qui fait que et débat à tout, il relance que dit mes amis, États-Unis qui présentait tête li comme un plus grand système pays démocratique qui gagne à travers le monde. Voilà que et fondement système dans le pouvoir par le peuple pour le peuple. Peuple vote un candidat plus monde vote puis c'est pas les gains. Donc c'est la réalité, oui, c'est système pas et le fonctionner là-dedans. C'est ça. Même américain qui prend la rue, moi même hier soir m'étais Manhattan, j'avais dit m'étais pratiquement presque frappé avec des manifestants. Ou t'as manifesté tout? Ou t'as manifesté? T'as passé donc Mounio malgré le froid et à Manhattan hier soir donc Mounio couvrir Mounio tout près résidence Donald Trump. Alors, un peu de surprise, c'était gagné tout le fait que il y a des États, sous point État, tant que la Floride, France, qui c'est un État, il y a des immigrants en partie. Mounio s'est dit, waouh, comment Donald Trump fait remporter un État tant que la Floride, puisque ce sont anti-immigrants, etc. Mais il y a des analystes qui disent, attention, lors de la Floride, ou quand ou Miami, comme ils ont yon ville d'immigrants, mais pas oublier grand pilote qui est à la ici grand pilote qui très important sur le plan démographique et qui pas des villes qui recevoir un peu d'immigrants, etc. D'autant plus que avec concept grand électeur là qu'on sorte bayon certaine explication, donc c'est certain que c'est pas par exemple en termes de suffrage universel. Mm-hmm. En termes de suffrage universel, Hillary a eu plus de voix que Trump, justement. Justement, et puis, j'en tape fait comparaison tout à l'heure et par rapport à l'élection et Michel Martelly en 2010. Et ça que vous regardez systématiquement, Jean-Donald Trump et attaquer Hillary Clinton, je ne sais pas, j'aime raté l'occasion pour le dire. Pour l'attaquer Hillary Clinton, pour l'attaquer système nan, statu quo que Hillary Clinton représente. Et l'insister tout sur le fait que Hillary Clinton a menti à la nation, puisque il est évident qu'elle a utilisé information l'État et dans serveur privé pour le faire trafic d'influence et que reproche moun de payer à travers Fondation Clinton. Et ça, le Trump insister sur lui et lui poter quand même un gros plus dans la campagne électorale. Il y a également pile moun qui croit, il n'y a pas de voter au moun comme ça parce que il menti à la nation et son moun qui pas sérieux, son moun yo douté de moralité li et li échoué dans politique internationale li en pile côté et là ou te wè Haïti encore une fois te retourné dans débat monsieur Damio côté Donald Trump te mettait accent sous échec les Clinton ici à travers la CIRH et l'aide internationale en général. Donc ça a tout li te gon on poids nan blasé il a Clinton dans campagne là. Absolument. Et alors François me dit que en prison mi Ottawa m'a demandé pour yo voulez inviter Ottawa occasion pour nous saluer notre ami Richard Edma, un directeur d'Ottawa qui branché qui
et qui d'avis que nous avons fait un moment de vérité à Ottawa. Donc, je dis que nous avons réfléchi sur ça. Oui, il faut quitter un pile côté parce que Freddy Amba, les avait du tout, tout, tout. Oui, nous sommes une équipe Freddy. Mais François, je connais même ces fanatiques Trumpouilleux, ça veut dire que nous sommes qui joyeux content, ça veut dire. Moi, j'aime même plus ta content que Haïtien Antonio pour nous faire Haïti marcher. Et parce que quel que soit le président américain qui sait Trump, il a rien n'importe l'autre, c'est l'intérêt supérieur des États-Unis à défendre. Malheureusement, Haïtien, pourquoi comprendre ça? Et Abdou, il a chauffé Hillary là, la pi bon pour eux, il a chauffé Trump là, pi bon pour eux. Mais il faut qu'on comprenne que c'est nous-mêmes qui la caille, qui pour commencer à mettre main pour nous changer ça. Et quel que soit le président américain qui est lui, si nous faisons ça pour nous faire boycott, il a respecté nous, il a négocié avec nous, et il a venu défendre l'intérêt ici. Nous-mêmes, tout le monde défend l'intérêt nous la caille. Le ça, au moins, il a un certain équilibre, même par rapport à voisin nous qui plus près, la République Dominicaine. C'est parce que nous beaucoup respecter tête nous comme haïtiens, beaucoup prend pays nous au sérieux, qui fait que nous pas respecter d'aucun côté, mais l'un prend route ça, c'est sûr que Haïti a sauté dans trou lié à différents niveaux. Mm-hmm. Alors, France, il y a un aspect pour mettre en exergue rapidement, avant de finir, c'est le concept check and balance là, aux États-Unis. Je dis, il est pratiquement mis à mal. Parce que, moi-même, toujours dit le moment vérité, à chaque fois où un exécutif républicain, donc dans la logique check and balance, là, électeur américain assuré que, sous un exécutif républicain, pour un parlement plus ou moins à tendance démocrate, maintenant, ça crivé là, c'est que au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat américain, la tendance dominante est républicaine, justement. Oui, ça oui, veut dire, oui. Et naturellement, dans deux ans, et occasion pour nous saluer à Will Gaspar, qui rappelait que dans environ deux ans, tendance-là capable de changer au niveau du Parlement et américain. Oui, pendant environ deux ans, Donald Trump son nègre là qui risque un boulevard devant le pour galoper jusqu'à ce que l'élection soit faite. C'est ça, Monsieur Gon, tout à fait. Mm-hmm. Donc ça crée, alors naturellement dans l'histoire, moi-même toujours dis dans l'histoire récente États-Unis, me faire une petite recherche sur ça. Mm-hmm. C'est difficile pour bien dit dans l'histoire récente États-Unis, mm-hmm. c'est difficile pour attribuer plus que deux mandats à un seul parti. Ah oui, donc, c'est un autre élément encore qui a expliqué mes aventures que il y a Rissot qu'on est là. Un autre élément en plus que tout ça nous a ajouté. C'est ça, justement. C'est ça. Mais il faut que nous signalons Peggy rapidement. Nous ouais, déjà un Donald Trump qui a transcendé. Et c'est plus le Donald Trump et fonceur qui a attaqué à tout bout de champ, qui a critiqué. Et déjà dans le discours, monsieur, ou déjà, ouais, monsieur fait ouverture. Oui, et il y a un président de tous les Américains. Non seulement ça, il y a un aspect qui est important, monsieur touché. Monsieur dit, Jean le tape, même le tape attaqué. Et programme Obama qui Obama te vient avec là, je dis à ouais, monsieur modéré langage là, d'où c'est amendé plutôt qu'il n'y a pas amendé. Monsieur dit il sera le président de tous les Américains. Donc déjà, monsieur a fait ouverture, monsieur commence à prendre dimension homme d'État, puisque le candidat n'est pas le président et ne sera jamais le président. D'autant que l'Eurofine brief, monsieur là. Justement, gon attitude pour le gain, gon comportement pour le gain, parce que quand même, et campagne a fini, c'est pas candidat encore, c'est président des États-Unis. Et s'il faudra que le composer avec des démocrates dans l'intérêt supérieur des États-Unis, il n'y a pas hésité en seconde la pfel, même Jean et Obama te fel, et même Jean l'autre et président républicain te fel. Et c'est ça. Alors, François dit là, résumé dans une seule phrase, Donald Trump ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. Il est le président de la première puissance mondiale, du grand establishment qui est en place aux États-Unis. Je dis à Donald Trump, pas qu'à permettre pour aller côté le vrai. Il va le faire, monsieur, prendre forme call. Absolument. Sécurité, monsieur, dépend désormais des États-Unis. C'est ça. Donc, monsieur, Gomoul, qu'on est obligé d'entrer là-dedans. Il est pris en charge. Il est pris en charge. Il ne s'appartient plus. Fini, Donald Trump. Qui a parlé de corps femme, de l'organe corps pour faire sauver avec femme. Donc, il ne pourra plus. Maintenant, il est le président des États-Unis. C'est ça. Bon, M. Peggy nous fait le tour de la question et analyse nous fait là et permettre.
et auditeur capitaine de nous auditrice comprendre puis bien et ça qui se passe aux États-Unis mais l'idée ouais pique les tournant processus électoral là pas bon ici mais ça qui est fondamental dans mes mondes retenu c'est question ouverture c'est question ralliement qui t'a dû gagner par Bolakay et discours violent sur pour nous suspendre et pour répéter l'autre ami quel que soit résultat que tu as sorti dans l'élection que monde qui gagne en pas gonfler l'estomac li pour l'attaquer monde ou penser le café qui choye pour col et que le dachita clôture dans intérêt pays d'Haïti pour nous au moins adresser les grandes questions de l'heure, gros problèmes qui tracassent nous, problème chômage, problème environnement, problème sécurité, problème loyer, et ici, je dis en Haïti, Peggy. Mabdou, merci, Peggy. Eh bien, France, Mabdou, merci tout. Occasion pour nous saluer encore toutes en pile amis qui brèchent chez nous. Fon salue Major Patrick Henri Bastien, directeur général adjoint, ministère intérieur et collectivité territoriale, son bon ami. Moment vérité, je te salue déjà, maître, Franck Fils-Jean, en direct de Clercine, qui branchait Moment vérité. Gros auditeur au cap qui dit que vous avez Jean-Bertrand ici de matin, c'est vrai, non? Mbap gen M. Matéen, même da bien, mais gen. Ou pas, je me connais, on lance appel pour que ancien président Jean-Bertrand Aristide, d'ailleurs, qui sont auditeurs de Moment Vérité, que M. Relé, oui, doit s'expliquer auprès de la nation. M. toujours attendre de nous, M. toujours attendre de nous. Donc, vous mettez pas un numéro à France pour que ancien président Aristide. Alors, ça crie, Peggy, M. gen longtemps le baba entrevue, il préfère faire déclaration, et puis commenter fait sur eux, et puis soldat lui a l'expliqué ça, le dit. Mais nous souhaitons que un bonjour, M. Vini, effectivement, dans Moment Vérité en personne. Et vienne pas la pays en l'autre fois. Absolument. Merci, Peggy. Et très bien. Qui bien comme invité, Mathieu? Et Mathieu, on a un panel encore une fois solide. Gagné Mathias Pierre qui a été avec nous et qui a analysé la situation avec nous, petite Dessaline. On a gagné professeur Agino Kader qui sont politologues. Pierre-Josué Agino Kader qui sont politologues, qui sont spécialistes sur la question éducation, qui a été avec nous. Nous gagné Pascal Adrien de Remé Haïti qui a été avec nous. Une nouvelle fois matin. Alors, faut que nous disions, c'est dernière émission, Moment Vérité, côté que nous n'avons pas parlé pour candidat yo, avant la campagne la fini, puisque et dimanche et samedi prochain, c'est 19, pas gagné et question candidat qui a parlé de campagne. Campagne la fini depuis vendredi 18 à minuit. Donc, c'est ça que fait jeudi à nous faire encore une fois preuve d'ouverture pour permettre que et candidat yo, formation politique yo représente dans Moment Vérité. Et nous avons essayé de communiquer avec Gérald Gillier à plusieurs reprises, même si c'était au fou et au moulin, pas privé, je n'y. Même espérer quoi quand même. Moi écrit chez lui, probablement. C'est ça. Probablement, il y a qu'à voir un représentant, famille Lavalasse dans le débat, je dis. C'est ça, c'est la même, situation pour PHTK, Guichard Doré doit être avec nous, ou bien il y a voyé, il y a un monde venu représenter eux. Et dans le débat, matin, encore une fois, cap très animé, et entre panélistes, nous, sous signal, dans Moment Vérité. Merci France, bonne suite de programme et à samedi prochain, ensemble dans le studio, nous pourrons faire débat ensemble. Merci en fait. Merci Peggy Kembela, bonne besoin. Kembela. Voilà, avec nous, Peggy Jean, depuis New York, M. Tapé partagé, première heure là, avec nous. C'est comme ça nous toujours fait, dans Moment Vérité, dans première heure là, nous garder information qui est importante de dominer l'actualité, nous analyser le bruit de comprendre et puis bien réalité de gagner jeudi. Nous faire lire sans passion, sans vouer monter, nous bons éléments, gens OEA, et surtout nous faire dans l'intérêt Haïti, c'est ça qui est important, parce que nous toujours dit le jeudi, et pas grand qu'une fierté pour nous frapper l'estomac ou pour dire, au moins même c'est la valasse, ou bien frappe l'estomac ou dit moi-même c'est tête calée, moi-même c'est du valieris, etc. C'est chaque secteur ça aussi, ensemble de désordre, chaque secteur ça fait dans tête pays qui mettait Haïti à genoux, j'en l'ai dit. Donc c'est ça qui fait l'important, que secteur ça prend conscience et y arrive dans le cafou pour y chita. Pour yo di nou fan pile temps a fait Haïti souffrir, je dis à qui ça nous ka fait ensemble. Côté nous ka joint nos expériences ou expertise dans environnement, dans éducation, dans politique, dans infrastructure, dans gestion du territoire pour venir sauver pays. Si c'est la valasse lié pas gain problème depuis le compétent. Si c'est tête calé lié pas gain problème. Si son du Valérie s'en aller dans intérêt Haïti. C'est ça. Et pays a besoin jodi a ouverture, ralliement, dialogue, compréhension. C'est pas vous et monter, c'est pas attaque, c'est pas violence, c'est pas déchoucage. Nous faisons ça yo. Seulement, nous gagnons longtemps à faire yo. Résultat, c'est réalité nous gagnons aujourd'hui. Côté deux, trois grands nègres qui passent dans le pouvoir avec proche yo, yo riche, yo multimillionnaire, mais pays a lui-même la vine pi mal chaque jour. C'est désespoir qu'envahit que
en pile haïtien qui pas l'autre solution que parti qui te pays à je dire. Donc il est important que nous comprenne et analyse nous fait avec débat nous fait dans sens ça généralement sous signal et notamment dans moment vérité. Paul la palais.com.